Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Elle répondra à toutes les questions d'Ndiaye. Elle était dans son bureau, peut-être pas tout à direct depuis votre bureau. Je ne vous vois pas, mais j'ai présenté mes excuses aux téléspectateurs puisqu'on vous a vu il y a un instant et que ça n'était que quelques secondes avant la prise d'antenne. De se préparer, Sibeth Ndiaye. Elle était dans son bureau, peut-être pas tout à fait consciente qu'elle était filmée comme vous avez pu le voir. Dans un direct depuis votre bureau. Je ne vous vois pas, mais j'imagine qu'on va vous voir dans un instant. Je voulais également présenter mes excuses aux téléspectateurs, puisqu'on vous a vu il y a un instant en train de fumer une cigarette, ce qui est voilà, ce qui était le cas, et vous ne saviez sans doute pas que vous étiez à l'antenne et que ça n'était que quelques secondes avant la prise d'antenne. Voilà. Également sollicité, l'entourage de Valérie Giscard d'Estaing n'a pas non plus répondu. Vers mes fesses. Les faits se seraient produits le 18 décembre 2018 pendant une interview avec Monsieur d'Estaing, à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance d'Helmut Schmid, ex-chancelier allemand qu'a côtoyé l'ancien président français lorsqu'il était à l'Élysée. Après l'interview, j'ai demandé à pouvoir faire une photo avec Monsieur d'Estaing et mes collègues. Cette photo a été prise par son assistante. J'étais debout à gauche de VGE et, pendant la photo, il a mis sa main sur ma taille gauche, qui a ensuite glissé plus loin vers mes fesses et est restée là, déclare Madame Streeck. Coronavirus en Chine, premier cas à Yuan depuis plus d'un mois. Ce premier cas depuis le 3 avril concerne un homme de 89 ans. Le niveau de risque épidémiologique dans son quartier a été relevé de faible à moyen. La Chine a relevé dimanche le niveau de risque épidémiologique dans un quartier de Yuan après la découverte d'un cas de Covid-19, le premier depuis plus d'un mois dans la ville berceau de la pandémie. Cette grande métropole de quelque 11 millions d'habitants, placée à partir de fin janvier plus de 2 mois en quarantaine, a été particulièrement meurtrie par le virus
qui a contaminé dans le pays près de 83 000 personnes et fait 4 633 victimes, à en croire les chiffres officiels. Alors que Wuhan n'avait pas enregistré de nouvelles contaminations depuis le 3 avril, un nouveau cas a été détecté dans la ville, a annoncé dimanche la Commission nationale de la santé. Il s'agit d'un homme de 89 ans, résidant dans le district de Dongzhou, situé dans le nord-ouest de Wuhan, ont indiqué les autorités locales. Le niveau de risque épidémiologique dans ce quartier a été relevé de faible à moyen. Wuhan est considéré comme une zone à risque faible depuis la levée de la quarantaine le 8 avril et l'activité y reprend progressivement. Les lycées de terminale ont pu effectuer leur entrée mercredi, tous avec un masque sur le visage et en respectant de strictes mesures sanitaires, après 4 mois de vacances forcées pour cause de virus. Hormis le cas de Wuhan, la Chine a fait état dimanche de 13 nouveaux cas de Covid-19 sur son territoire. C'est la première fois depuis le 1er mai que le pays annonce une augmentation à 2 chiffres du nombre de contaminations sur une journée. L'immense majorité des nouveaux cas sont situés dans le nord-est du pays, où la ville de Shulan a par ailleurs été placée en quarantaine. Samedi, la Chine a admis que la pandémie avait révélé des lacunes dans son système de santé et de prévention des maladies infectieuses. Ces propos interviennent sur fond de critiques du président américain Donald Trump. Essonne. Arrêté en plein vol par le GIGN, il est libéré grâce au confinement. L'homme avait été interpellé par les super-gendarmes qui sortaient d'un entraînement à Guyerval. Impliqué dans une procédure criminelle de vol en bande organisée, toutes ses demandes de mise en liberté avaient été refusées jusqu'à présent. Jamais autant de détenus ne sont sortis de détention que depuis le début du confinement. Au 15 avril, les prisons françaises ont libéré près de 10 000 personnes, conséquence d'une augmentation des sorties en raison de la crise sanitaire et d'une baisse des entrées, la délinquance s'étant tarie. Pour cet homme âgé d'une vingtaine d'années, connu de la justice pour de nombreux vols, le confinement est une aubaine. Ses 3 demandes de remise en liberté, formulées depuis le 20 septembre 2019, n'avaient jamais abouti. Il y a un mois, ce détenu pour vol et recel en bande organisée, une procédure criminelle, a été libéré sur la décision d'un juge des libertés et de la détention en un coup de fil. Le 19 septembre dernier, il avait été interpellé dans des conditions rocambolesques à Guyerval, un village du Sud-Essonne. Cette nuit-là, avec 3 autres hommes, le suspect roule au ralenti, probablement pour faire des repérages. Manque de chance, des gendarmes du GIGN qui sortent de leur camp d'entraînement vers 00h30 passent comme à leur habitude par un petit pont. De cet ouvrage, ils ont une vue plongeante sur une société de transport ouverte et en train de se faire piller par les suspects. Les hommes du GIGN observent le manège des voleurs. Un SUV Toyota et une dépanneuse semblent attendre, moteur allumé, à côté de la société. Les militaires préviennent la brigade locale d'Angerville et décident de contrôler les occupants de la voiture. En arrivant sur place, les gendarmes découvrent que le SUV avait été volé quelques jours auparavant dans le nord du département. Dans la société de transport, 2 autres SUV également signalés volés ont été retrouvés. L'enquête avait été confiée à la brigade de recherche d'Étampes. Un maire adjoint de Versailles meurt à 72 ans du Covid-19. Après une longue lutte contre le virus, Jean-Marc Fresnel, l'élu chargé des sports, est décédé ce dimanche. C'était sa dernière ligne droite, mais il n'a pas pu la conduire jusqu'au bout. Jean-Marc Fresnel,
l'inamovible maire adjoint au sport de François de Mazières à Versailles, n'aura pas survécu au Covid-19. Pourtant, cet ancien athlète a longtemps laissé penser, ses proches et ses amis versaillais, qu'il s'en sortirait. Hospitalisé au centre hospitalier Mignot du Chénier, Roquincourt, dans un premier temps, puis plongé dans le coma, il a été transporté au CHU de Rouen, en Seine-Maritime, où les meilleurs soins lui ont été prodigués, en vain. Jean-Marc Fresnel est décédé ce dimanche matin, a annoncé sur son compte Twitter le maire de Versailles, très affecté. J'ai la très grande tristesse de vous informer du décès ce matin du Covid-19 de notre ami Jean-Marc Fresnel, adjoint en charge des sports et du personnel de la ville de Versailles. Homme remarquable, apprécié de tous, il nous manquera beaucoup. Je perds plus qu'un élu, un véritable ami. Toutes mes condoléances vont bien entendu à ses proches et à sa famille, confie François de Mazières, qui parle déjà de baptiser en son nom un équipement sportif de la ville. Âgé de 72 ans, Jean-Marc Fresnel, ancien cadre d'aéroport de Paris, ADP, spécialiste de la logistique, s'était investi dès 2008 aux côtés de François de Mazières, dès que celui-ci est devenu maire de la ville. En charge des sports, son dossier fétiche, il s'occupait également de la délégation du personnel avec un sens de la diplomatie remarquable et une gentillesse saluée par tous. Pilier du mois Molière avec son épouse Martine, il figurait parmi ces infatigables bénévoles qui assurent la bonne marche de ce festival de théâtre. La course Paris-Versailles fut son plus grand succès. À partir de 1989, il a pris la présidence de l'association organisatrice pour ne plus la quitter ensuite. Cette classique pédestre du dernier week-end de septembre, la deuxième la plus importante de France, est célèbre pour son parcours atypique et exigeant. Elle réunit chaque année environ 25 000 participants. Déconfinement. Les services de renseignement s'inquiètent des appels à manifester. Les services de renseignement redoutent dans une nouvelle note confidentielle la radicalisation de la contestation sociale dès la fin du confinement. Dans une note datée du 6 mai, le service central du renseignement territorial alerte une nouvelle fois sur les risques de radicalisation de la contestation sociale dès la fin du confinement pour enrayer la propagation du coronavirus. Des appels à manifester à la fin de la période de confinement continuent de circuler, mettent en garde les anciens renseignements généraux dans cette note qui s'est procurée France Télévisions. Mi-avril, Le Parisien révélait déjà une précédente note sur cette même crainte. De l'ultra-gauche à l'ultra-droite, en passant par les gilets jaunes, la diffusion de commentaires critiques de la gestion de la crise sanitaire par les autorités publiques se poursuit sur les réseaux sociaux, avec une véhémence de plus en plus exacerbée, signale la nouvelle note. Du côté de la mouvance autonome, les mesures gouvernementales de traçage et la verbalisation du non-port du masque dans les transports cristallisent les mécontentements, tout comme les conditions de vie dans les prisons et dans les centres de rétention, selon la chaîne du service public. L'ultra-droite, pour sa part, prépare une action coordonnée pour pointer du doigt les carences supposées de l'État dans la gestion de la crise. Des rassemblements sont à prévoir dans la semaine du déconfinement devant les préfectures et les sous-préfectures, prévient le SCRT. Quant aux Gilets jaunes, des appels à manifester ont été lancés pour le samedi 16 mai à Toulouse, à Montpellier ou encore à Alès, même si un grand nombre de contributeurs dans leur forum ne cachent pas leur crainte de voir le Covid-19 se propager. Nombreux sont ceux qui déplorent la rentrée des enfants à l'école, l'absence de quarantaine imposée aux Européens en entrant en France et la vente de masques en grande distribution. Certains évoquent même l'hypothèse d'actions contre les supermarchés qui en proposent, comme des blocages de caisses. Dimanche 3 mai, Christophe Chalençon, l'une des figures des Gilets jaunes, a d'ailleurs appelé sur sa page Facebook à verrouiller Paris et à tuer le gouvernement le jour du déconfinement lundi. Christophe Chalençon,
faux leader gilet jaune et agent du système, bien entendu. June Almeida, la première scientifique à avoir mis en image un coronavirus. Pionnière dans les recherches sur les virus, la chercheuse écossaise revient au cœur de l'actualité grâce à ses travaux sur la famille des coronavirus. Elle est l'une des plus grandes scientifiques de sa génération, écrit le journal britannique The Herald, dans un hommage à June Almeida, publié le 8 mars dernier. 13 ans après sa mort, son nom refait aujourd'hui surface, en pleine pandémie de Covid-19, car elle est la première virologue à avoir 34 ans seulement, et sans éducation scientifique à l'université, découvert le premier coronavirus en 1964. Dans son laboratoire de l'hôpital Saint-Thomas de Londres, où était par ailleurs hospitalisé le Premier ministre Boris Johnson début avril. Une femme au parcours peu conventionnel, à qui l'on doit la technique qui a permis d'observer le premier coronavirus, responsable à ce jour de plus de 270 000 décès dans le monde. Elle est décédée en 2007, à l'âge de 77 ans, après être devenue une pionnière dans l'observation des virus. Née en 1930 dans un quartier pauvre de Glasgow, en Écosse, June Dalziel Hart, de son nom de naissance, est fille de chauffeur de bus, d'après sa fiche dans le dictionnaire des biographies d'Oxford. Issue d'une famille modeste, elle est contrainte de quitter l'école à 16 ans. Elle n'a pas les moyens d'entrer à l'université pour poursuivre des études scientifiques et devient technicienne en histopathologie, une discipline médicale qui consiste à étudier au microscope des tissus atteints par une maladie. Elle trouve un poste au Glasgow Royal Infirmary avant d'entrer à l'hôpital Saint Bartholomew de Londres. Dans la capitale britannique, elle rencontre ensuite son futur mari, Enrique Henry Almeida, qui vient du Venezuela, avec qui elle part s'installer à Toronto, au Canada, dans les années 1960. Désormais Almeida, elle est nommée technicien en microscopie électronique à l'Ontario Cancer Institute de Toronto. C'est au Canada qu'elle va élaborer une technique majeure selon l'écrivain médical George Winter, cité par la BBC. Elle parvient à développer une méthode permettant de repérer et photographier les virus au microscope en les mettant en présence d'anticorps. Ces derniers vont se regrouper autour du virus et ainsi indiquer sa présence. Une découverte révolutionnaire appelée immunomicroscopie électronique ou imagerie cellulaire par microscopie électronique, qui lui permet de devenir une personnalité respectée dans le milieu de la recherche. Son nom commence à figurer sur de nombreuses publications scientifiques, surtout celles liées à la structure virale, poursuit le dictionnaire des biographies d'Oxford. Le directeur du département de microbiologie de l'hôpital Saint-Thomas de Londres, le professeur A.P. Watterson, la remarque et la convainc de venir rejoindre son équipe en 1964. Grâce à sa technique d'imagerie cellulaire, June Almeida va visualiser pour la première fois le virus de la rubéole. Elle participe également à des découvertes sur le rhume. Et si on parle d'elle aujourd'hui, c'est pour son avancée liée au coronavirus. Cette même année, 1964, la scientifique âgée de 34 ans, désormais renommée dans son domaine, vient en aide au professeur David Tyrrell, qui n'arrive pas à identifier un virus proche de la grippe. Ils découvrent ensemble la famille des coronavirus dont font partie le Covid-19 et le SRAS de 2003. D'autres scientifiques ont pu se servir de sa technique pour faire des avancées dans le domaine. Un chercheur américain a ainsi identifié le virus responsable d'une épidémie de gastro-entérite non bactérienne.
aujourd'hui appelé le norovirus. D'autres scientifiques ont également pu visualiser pour la première fois le virus de l'hépatite A grâce à l'imagerie cellulaire de June Almeida. Décrite par le dictionnaire d'Oxford comme une personne très amusante, à l'enthousiasme remarquable et qui savait interagir avec ses collègues, peu importe leur niveau d'expérience, June Almeida va complètement changer de voie dans les années 1980. Son parcours l'amène vers un univers bien loin des laboratoires de recherche et des microscopes, le yoga. Elle devient professeure qualifiée de la discipline, raconte la Bibliothèque nationale de médecine américaine. June Almeida devient également une experte dans la restauration de porcelaine chinoise. Cela lui permet de se lancer dans une autre carrière, celle du commerce d'antiquités avec son second mari. Cependant, la passion du microscope n'est pas morte. À la fin des années 1980, elle retourne à l'hôpital Saint-Thomas de Londres et occupe un rôle consultatif. Elle prend alors, avec des collègues, les premières micrographies électroniques à coloration négative de haute qualité du virus de l'immunodéficience humaine, ou VIH. Ce sera sa dernière découverte majeure. Découverte en découverte, on n'a pas avancé d'un iota. Par contre, elle est une héroïne, comme les pseudo-héroïnes du domaine de santé aujourd'hui. Coronavirus encore, comment le ping-pong est devenu le grand vainqueur de la crise? Ne faites pas attention à la grossière faute d'orthographe. Ping-pong apparaît comme le nouvel Eldorado des bookmakers. C'est l'une des conséquences inattendues de la pandémie de coronavirus. Sevrés de tennis, les parieurs se tournent vers la petite balle blanche. Imaginer que le tennis de table serait le produit le plus consommé un samedi après-midi aurait été insensé il y a quelques semaines, s'amuse Matt Fowler, directeur du service chargé de veiller au respect de la réglementation des paris au sein de l'Association internationale pour l'intégrité des paris. Et pourtant, faute de courses de chevaux, de grands championnats de foot et de tournois de tennis, paralysés par la pandémie, les parieurs ont dû trouver des ersatz. Le ping-pong a su saisir la balle au bon pour se retrouver un nouveau public, avec des tournois qui continuent à avoir lieu en Europe de l'Est, notamment en Russie. Il s'est taillé une belle part de marché, estime Keith O'Loughlin, au responsable de SG Digital qui fournit des contenus et des services commerciaux pour les sites de paris en ligne. Toute proportion gardée, il remplace le tennis. Les paris les plus importants en tennis sont sur qui va gagner le prochain point, et c'est la même chose en tennis de table. Avec l'augmentation des paris en direct à travers le monde, les gens veulent un résultat immédiat, explique-t-il. Mais il faut du temps pour se familiariser avec les rois et reines du topspin, l'équivalent du lift tennistique. La société de paris italienne Snaitech a ainsi lancé un talk show quotidien sur une de ses radios en ligne consacrée au tennis de table et au championnat de foot du Nicaragua et du Belarus. Pour aider ses clients à suivre ses nouveaux matchs, ou plutôt nouveau marché, explique son PDG Fabio Schivaolin. La compagnie américaine DraftKings a, elle, réalisé un tutoriel pour expliquer comment marche le tennis de table car beaucoup de parieurs de tennis se sont reportés là-dessus, indique Jamie Shee, directrice de son département de données sportives. William Woodhams, PDG du bookmaker britannique Fitzdares, souligne toutefois que le ping-pong et les autres marchés de niche sont loin de compenser les pertes liées au sport grand public, d'autant que les sommes misées ne sont pas comparables. Vous ne miseriez pas une grosse somme sur des équipes dont vous ne connaissez pas un joueur.
explique-t-il. La reprise des grandes compétitions, avec dès la semaine prochaine le retour de la Bundesliga en Allemagne, devrait mettre fin à ce flirt passager des parieurs avec ces sports ou championnats moins médiatiques. Ils retourneront dans l'ombre d'où ils ont émergé, pronostique Jason Scott de la société américaine Roll Digital. Des retards de distribution en Seine-Saint-Denis après le vol de 500 000 masques. Jeudi, des milliers de masques destinés aux communes de Bobigny, Bondy et Montreuil ont été volés à la frontière espagnole. Les villes ont dû réorganiser en urgence. Après le vol jeudi de 500 000 masques en tissu lavable et réutilisable destinés en partie aux communes de Bobigny, Bondy et Montreuil, les trois villes ont dû s'adapter en vue du déconfinement qui débute ce lundi pour fournir des protections gratuites à leurs habitants. Montreuil, qui regroupe plus de 106 000 résidents, a dû annuler sa distribution de masques qui devait se tenir ce week-end. La ville va tout de même proposer 60 000 autres modèles fournis par un autre prestataire dès jeudi dans ses 14 quartiers. Chaque habitant pourra en récupérer un à un lieu et à un créneau horaire bien précis, défini en fonction de son lieu de résidence et de la première lettre de son nom de famille. Les détails sont disponibles sur le site de la mairie. Ces 60 000 masques ne pouvant répondre aux demandes de l'ensemble des citoyens, Montreuil assurait ce week-end dans un communiqué mettre tout en œuvre pour obtenir, dans les délais les plus brefs, une livraison complémentaire qui permettra de maintenir dans les jours à venir la distribution dans les boîtes aux lettres d'un masque par foyer. La ville de Bobigny, qui compte quelque 53 000 habitants, prévoit toujours de distribuer 3 masques à chaque personne âgée de plus de 11 ans grâce au stock mis à disposition par le conseil départemental et le territoire Est ensemble. Mais la distribution, qui devait débuter la première semaine de mai, va être retardée d'une semaine. D'autres commandes avaient été faites auprès d'autres fournisseurs, notamment avec le conseil départemental et Est ensemble, qui devait arriver sous 10 jours, précise la municipalité. Les distributions seront ensuite échelonnées sur 4 semaines. La ville de Bondy a déjà assuré une nouvelle livraison avec un nouveau prestataire pour ses 53 000 habitants. Et l'entreprise dont la commande s'est volatilisée va reprogrammer sa livraison entre le 15 et le 19 mai, détaille-t-elle. Résultat, des masques seront distribués dans les boîtes aux lettres dès mercredi et jusqu'à la fin de la semaine. Des distributions complémentaires commenceront avec une semaine de retard à compter du 20 mai et jusqu'au 2 juin, indique la municipalité. Des protections que les particuliers devraient s'empresser de récupérer dans leur boîte aux lettres pour éviter les vols, comme certains habitants de Pantin l'ont rapporté. Pour rappel, le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun dès lundi matin.